Père, oh Jésus. Il est écrasé, il est écrasé, il est écrasé, Satan est écrasé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, sous le pied, il est sous nos pieds, sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Comment dans le camp et dans le mur, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp et délivrer-nous pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est écrasé, il est écrasé, il est écrasé, Satan est écrasé. Nous allons dans le camp et délivrer-nous. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous vous saluons au nom de Jésus. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Les temps sont finis. Nous n'avons plus le temps à perdre. Toutes les choses de ce monde. Sortez de la vanité de ce monde. Sortez de ce monde et ses plaisirs. Après la mort vient le jugement. Où passeras-tu ton éternité? Le ciel est réel. Et le ciel est réel. Mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui que tu dois préparer là où ton âme va rester. Après ta mort, les gens vont commander les messes. Et ils vont te dire, Père, à son âme, mon frère, ma soeur, quel que soit le pain, Jésus vous prévient ce soir. Et vous appelle à la repentance. Tu as fait l'avortement. Ou tu as conseillé quelqu'un de faire l'avortement. Si tu meurs dans cet état, c'est l'enfer. Il fait chaud en enfer. L'enfer fait chaud. Il fait chaud. N'allez pas en enfer. Soyez fiers de comment Dieu vous a créé. Il y a des gens qui ont écrit sur leur corps. Répondant. Jésus ne veut pas vous voir dans cet état. Ils ont écrit sur leur corps. Comment n'est pas un tableau. Si tu as envie de crier, va acheter un tableau ou la gloire. Donc, tout pour ça, il y a des décès sur le corps. Vous mourrez, c'est l'enfer. Répondant. Personne
ici. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu veux aller au ciel, viens à Jésus. Viens à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, oublie le ciel. Oublie le ciel. Oublie le ciel. Vous qui voulez aller au ciel, le message là est pour vous. Maintenant, si vous ne voulez pas aller au ciel, répétez pas ce que nous vous le disons ce soir. Les femmes qui se sont mariées et qui n'ont pas été dotées, si tu n'es pas doté, va rapidement régler avec ton mari. Si vous mourrez sans être doté, c'est l'enfer. Toi qui as marié l'enfant d'autrui et tu ne l'as pas doté, vous mourrez, c'est l'enfer. Jésus vous appelle à la repentance. Venez à Jésus. N'allez pas en enfer. Alors Jésus a versé son sang. Pour toi. Pour que tu ailles au ciel. Pour que tu ailles au ciel. Alors ne sois pas ingrat. Sinon vous savez, la seule vie que tu as, c'est celle que tu as maintenant. Tu as des gens qui sont morts. Des gens qui sont de toute ta famille qui sont morts. Est-ce que tu t'es jamais arrêté pour penser pour Dieu? Où ils sont allés? Quand vous mourrez, si vous n'êtes pas au ciel, donc vous êtes en enfer. Si vous n'êtes pas au ciel, donc vous descendez en enfer. Si je ne vous trouve pas en enfer, c'est que vous êtes au ciel. Maintenant la question, ta tante qui est morte il y a 2 ans, ton frère qui est mort, ton papa ou ta maman, est-ce que tu t'es demandé où il est actuellement? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Mon oncle qui est mort, il est allé où? En enfer ou au ciel? Oh, pour aller au ciel, c'est Jésus qui est le sommet. Quand tu sois musulman, pétisseur, catholique, Bouddha, sans Jésus, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Si vous lisez le Coran, le Coran dit, Jésus est l'Esprit de Dieu. Jésus est le souffle de Dieu. Jésus est la miséricorde de Dieu. Si vous ne le recevez pas, oubliez le ciel. Oubliez le ciel. Ce n'est pas la musulman. Ce n'est pas l'amusement. C'est la seule vie que tu as. Ne t'amuse pas avec ça. Écoutez, ce qui conduit les gens en enfer, c'est la rébellion contre la parole de Dieu. Ce que Dieu refuse, si tu fais, tu iras en enfer. Le seul Dieu Jésus, ce qu'il refuse hier, il refuse aujourd'hui, il le refuse demain. Dieu dit, les femmes ne vont pas se mettre en pantalon ou en culotte. Les femmes qui se mettent en pantalon, en collant, en culotte, c'est une rébellion contre la parole de Dieu. Si vous mourrez dedans, c'est l'enfer. Jésus nous envoie, vous le dit ce soir. Vous ne saviez pas, vous l'aviez fait. Mais à compter de ce soir, repentant. Les femmes qui ont avorté, vous qui aviez avorté, vous qui avez conseillé aux gens d'avorter, vous êtes des assassins. Vous êtes des assassins, des meurtriers, repentance. Si vous ne venez pas à Jésus et lui confier cela avant de mourir, c'est l'enfer. L'enfer est réel. Les gens souffrent en enfer. Ils sont en train de crier maintenant. En se disant, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et les démons sont en train de dire, c'est trop tard. Au ciel, il n'y a pas les hypocrites. Les hypocrites, les caléthas ne sont pas au ciel. Les caléthas ne sont pas au ciel. C'est pourquoi les
tous ceux qui ont mis des messes sur leur tête, c'est les caletas, ils se sont déguisés, les rouges aux lèvres, les vernis, vous mourrez dedans, c'est l'enfer. Nous vous prévenons, répondons, nous continuons, répondons, 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 répondons. Sortez de la religion. La religion ne peut pas vous sauver. La religion t'a dit. De prier 5 fois par jour. Que cela va te garantir le ciel. C'est des mensonges. Si on peut prier 5 fois par jour, pour que le ciel t'a garanti, Jésus n'a plus besoin de venir 7 heures. Tu dois accepter Jésus. Sortir du mensonge. Sortir du mensonge religieux. Toi qui m'écoutes dans ce moment. Et tu vas quelque part. Et on te dit d'acheter la bougie. On te dit d'acheter de l'huile. On te vend du sel. Si tu meurs dans ces choses, tu vas te retrouver en enfer. Jésus n'est pas là. Jésus est dans sa parole. Qui peut me dire? Disciples de Jésus. Des disciples de Jésus dans l'air. Qui ont vendu du sel. Des sages. Qui ont vendu de l'huile. De tes sa amis. Sortez de l'illusion. Sortez du mensonge. Les temps sont finis. Les jours sont mauvais. Le retour de Jésus est imminent. Si tu vis comme un chien, tu vas mourir comme un chien. Et tu seras jeté en enfer comme un chien. Jésus t'aime beaucoup. Maintenant que tu es vivant. C'est la grâce de Dieu. Le peu de temps que Dieu te donne. Ne joue pas avec ce temps. Mon frère, ma soeur, les jours sont mauvais. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus revient. Mets de l'ordre dans ta vie. Sortez des plaisirs de ce monde. Sortez de ce monde. Et ses plaisirs. Mon frère, ma soeur, abandonne l'idolâtrie. Abandonne l'impudicité. Abandonne le vol. Conduit en enfer. Toi qui m'écoutes en ce moment. Et tu fais la prière avec la bougie. C'est de l'idolâtrie. Qui dans la Bible? Mais le plus le jeunesse jusqu'à l'Apocalypse. Si jeunesse, qui a utilisé la bougie pour prier. Mais sans bougie, et tu vas à une église. Et on te dit de prier avec la bougie. C'est de l'idolâtrie. Vous sortez de ces choses. Si vous
vous mourrez dans sa chose, vous allez vous réveiller dans l'enfer. Jésus ne veut pas cela pour vous. Jésus, c'est pour cela qu'il nous envoie ce soir. Les jours sont mauvais. Jésus revient. Jésus ne frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas que je suis de telle religion. Je suis de telle religion, ne va pas te sauver. Parce que tu es né de nouveau. Sans la nouvelle naissance, personne n'entrera dans le royaume des cieux. Mon frère, Jésus n'a pas besoin de chapelet avant de te sauver. Jésus n'a pas besoin de bougie avant de te sauver. Jésus n'a pas besoin de crucifix avant de te sauver. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus compte dans ton cœur. Tu ne remplis d'envie de péché. Si Jésus rentre dans ton cœur, tu n'auras plus l'envie de porter les pantalons. Si Jésus rentre dans ton cœur, tu n'auras plus boire d'alcool. Si Jésus rentre dans ton cœur, tu ne vas plus paniquer. Si Jésus rentre dans ton cœur, tu ne vas plus séduire les hommes. Si Jésus rentre dans ton cœur, tu n'auras plus d'envie de mentir. Jésus t'aime. Maintenant que tu es vivant, tu peux espérer. Ceux qui sont morts ne peuvent rien espérer. Il a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs afin de les pardonner. Il a dit venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, Jésus veut te décharger du fardeau du péché. Le péché est un fardeau. Il pèse ton âme. Le péché détruit ton âme. Quand tu vis dans le péché, tu es en train de paillader ton âme. Mon frère, ma soeur, Jésus veut te libérer du péché. Jésus a le pouvoir de te libérer du péché. Toi qui m'entends en ce moment, et qui te dis j'ai trop de péché, mon frère, Jésus veut effacer tes péchés. Si tu es prêt à l'accepter, je vais prier pour toi. Jésus veut te sauver. Mon frère, ma soeur, tu peux faire comme Jassé. Quand Jésus est rentré en Jéricho, Jésus est venu chez Jassé. Jassé est monté sur Sycomore. Jassé est à Titi. Juste pour voir Jésus. Mon frère, ma soeur, Jassé a accepté Jésus. Jassé est venu chez Jésus. Maintenant, Jésus vous rend visite. Et si tu es prêt à l'accepter, si tu es prêt à donner ta vie à Jésus, n'hésite pas. Ne mets pas ton salut à demain. Ne regarde pas tout ce qui t'entoure. Mais regarde ton âme. Le jour de jugement, tout ce qui t'entoure là, il ne sera pas là pour te défendre. Mon frère, ma soeur, Jésus veut effacer tes péchés. Si tu es prêt à l'abandonner, repentez-vous, les juges sont mauvais. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. Mon frère, ma soeur, Jésus veut te donner la paix. Jésus est le prince de paix. La paix que tu cherches en allant chez les marabouts, en allant chez les féticheurs. La paix que tu cherches. Et on te dit, acheter les cabris. On te dit d'acheter les bœufs. On te dit d'acheter les poulets. Mon frère, ma soeur, la paix ne se trouve pas dans ces choses. Tu sacrifies les cabris. Si tu as changé dans ta vie, le vrai père se trouve en Jésus. Jésus n'a pas besoin de ton mouton. Jésus n'a pas besoin de ton cabri. Mais Jésus a besoin de ton cœur.
Repentez-vous. Les jours sont mauvais. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. Mon frère, ma soeur, où veux-tu passer ton éternité? L'enfer est réel. L'enfer est réel. Et le ciel est réel. Ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec ton âme. Ton âme a de la valeur. Ne paie pas ton âme. À cause des plaisirs de ce monde. Ne perds pas ton âme. À cause des richesses de ce monde. Ne perds pas ton âme. À cause des vanités de ce monde. Tu dois abandonner ce monde et ses plaisirs. Tu dois renoncer à l'impédition. Quelles que soient
dépend va te sauver. Cela ne peut pas te sauver. Tu vas te réveiller en enfer. Si tu n'abandonnes pas le péché, si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, frère, ma soeur, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus qui détruit la clé du ciel, Jésus qui détruit la clé du ciel, Jésus qui détruit la clé du ciel. Si tu veux aller au ciel, tu dois accepter Jésus, tu dois ouvrir ton cœur, Jésus veut entrer dans ton cœur, Jésus veut manger avec toi. Jésus veut boire avec toi. Accepte Jésus dans ta vie. Abandonne ce monde et sa vie. Abandonne l'impudicité. Abandonne la fornication. Frère, ma soeur, Jésus t'aime. Jésus, quel que soit le nom de tes péchés, Jésus n'est pas là pour te juger. Jésus n'est pas là pour te condamner. Mais il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Jésus doit le voir. Pas dans le péché. La religion ne peut pas te sauver. Tu ne peux pas beaucoup de temps dans la religion. Tu dois accepter Jésus. La paix de ton âme. Après ta mort, les gens vont pleurer. Les gens vont se lamenter. Ils vont aller donner de l'argent. Tout compris pour toi. C'est cela. Je ne peux pas te sauver. Cela, c'est le folklore. Mon frère, ma soeur, c'est de temps vivant que tu dois abandonner les choses de ce monde. Donc, qui m'écoute en ce moment, peut-être tu dis que je suis déjà chrétien. Mais tu continues de porter les faux cheveux. Mais tu continues de porter les boucles. Tu continues de porter les pantalons. Tu portes les tenues ceci pour séduire les hommes. C'est le mari de Dieu. Si tu meurs de là, tu vas te retrouver en enfer. Si tu aimes beaucoup, peut-être dans ton église, ton personne ne parle pas de ton église. La mèche conduit en enfer. La parole du Seigneur déclare, car tous vos cheveux sont comptés. Je connais le nom de cheveux. Mon frère sur sa tête. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ta vie. C'est la parole que je suis en train de prêcher. C'est un jugement. Et si tu ne te repens pas, et si tu meurs, on va te jouer cette abonne. On va te demander à telle heure. Tu as envoyé mes serviteurs. Il t'en dit ça. Mais tu n'as pas cru. Tu es resté dans ta vie de cochon. Et tu es mort. Répondez-vous. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus-Christ est à la table. Et quand nous disons Jésus revient, il te dit, quand est-ce que Jésus va revenir? Quand est-ce que Jésus va revenir? Si le voleur veut te visiter, est-ce qu'il va te dire, à telle heure je viendrai te visiter? Jésus va venir comme un voleur. La question est que, tu es en train de mener. Dis que tu mènes maintenant. Détermine. Là où tu vas passer ton éternité. Si tu veux aller au ciel, tu dois renoncer au péché. Tu dois abandonner l'impudicité. Tu dois vivre dans la crainte du Seigneur. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les jours sont mauvais. Sortez de la religion. Jetez les statues de Marie. Jetez les statues des anges. Cela ne peut pas te sauver. Si tu meurs avec ces choses, tu vas te réveiller en enfer. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, et ton pasteur te dit, invoquez les anges dans la prière. Et tu pries, tu invoques les anges. Sache que tu as des démons que tu reçois. On n'invoque pas les anges de la prière. On ne veut pas les anges de la prière. Il a écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12.
Il y a un seul nom qui a été tanné parmi les hommes dans laquelle nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Ne vaut plus les hommes de la prière. Ne vaut plus Marie de la prière. Marie, c'est un homme comme nous. Marie a bataille pour ça. Pas quelqu'un de extraordinaire. Mon frère, ma soeur, tu dois te repentir. Tu m'écoutes en ce moment. On t'a donné l'huile. On t'a donné du sel. Chaque fois que tu viens vendre, tu viens passer les mains. Le sel. Pour nous ça, donc, tu viens passer l'eau. Pour nous ça, sinon. Et tu penses que cela va te donner le bonheur. Et si tu meurs dans cela, tu vas te retrouver en enfer. À quoi te servira-t-il d'avoir tout dans ce monde et le tas de ton âme? À quoi te servira-t-il de gagner tout dans ce monde et de perdre son âme? Mon frère, ma soeur, ne vis pas comme un chien. Ne vis pas comme un chien. Ne vis pas comme un cochon. Si tu vis comme un cochon, tu vas te retrouver en enfer. Jésus t'aime. Jésus te tend la main. Jésus veut te sauver. Jésus dit, mon fils, ma fille, je vais te décharger. Je vais effacer tes péchés. Quel que soit le nom de ta péché, toi qui m'écoutes en ce moment, et tu as des copines. Laissez les jeux venir à Jésus. Ne vous amusez pas avec ça, Jésus vous aime.
Les femmes en pantalon, les femmes en rouge aux lèvres, vernis, c'est des abominations devant Dieu. C'est des abominations devant Dieu. Jésus veut vous voir au ciel. Jésus veut te voir au ciel. Maman, Jésus veut te voir au ciel. N'allez pas en enfer. Vous qui êtes mariés et vous n'êtes pas dotés. Vous n'avez pas été dotés. Si tu mens, c'est l'enfer. Toi qui as marié l'enfant d'autrui et tu ne l'as pas doté, vous mourrez, c'est l'enfer. Repentant. Venez à Jésus. Mais vous qui êtes habitué à l'emportement, vous êtes des assassins. L'enfant que vous avez emporté, il vous attend dans la barre. Tu vas mourir un jour. Tu vas mourir un jour. L'enfant que tu as emporté, repentance maintenant. Sinon, c'est l'enfer. L'enfer, c'est chaud. L'enfer, c'est chaud. Écoutez, vous qui mettez votre confiance à une religion, écoutez bien le message. Au ciel, il n'y a pas de musulman. Au ciel, au ciel, il n'y a pas évangéliste. Évangélique qui m'attire. Au ciel, il n'y a pas de protestant. Au ciel, il n'y a que des enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, oublie le ciel. Voilà le message. Jésus n'est pas dans les statues. Jésus n'est pas dans les crucifix. Jésus n'est pas dans les médailles. C'est de l'idolâtrie. Jésus est esprit. Venez à Jésus pour aller au ciel. Vous ne pouvez pas demeurer dans l'idolâtrie et aller au ciel. L'idolâtrie contient la mort. C'est l'enfer. L'idolâtrie, c'est l'enfer. N'allez pas en enfer. C'est pourquoi Jésus nous a envoyés ce soir. Pour vous dire, repentons. Repentons. N'allez pas en enfer. Ne pense pas que c'est moi qui te parle. Je te répète, ce que Dieu m'a dit de te dire. Le Seigneur me dit de te dire, tu ne peux pas avoir ton enfant. Ton propre enfant, tu le vois en train d'aller dans la perdition. Tu vois ton enfant en train d'aller vers la mort et le laisser mourir. Mais si l'enfant décide de mourir, de continuer de vivre comme il veut, alors une dernière fois, le Seigneur décide de t'avertir encore. Le Seigneur me dit de te dire qu'il est temps que tu te répandes. L'heure a sonné pour ta réponse. Regarde tout le temps que tu as passé dans le péché. Les choses que tu as commises. Les choses que tu as commises. Personne ne sait. Mais de toi, hein? Personne ne t'a vu. Mais, de moi, hein? Mais Dieu t'a vu. L'homme, Dieu t'a vu. Moi. Ici maintenant. Si on attrape un voleur. Si on attrape quelqu'un. Qui vole une chaussure. Tout le monde va dire. Brûlons-le. Tirons-le. Frappons-le. Décapitons-le. Emprisonnons-le. Mais quand toi tu as volé. Personne ne t'a vu. Mais Dieu t'a vu. Si Dieu te voit te punir pour ta paix.
péché. Si Dieu devait te châtier pour tes péchés, est-ce que tu seras vivant? Le mari de Dieu que tu as pris jusqu'ici, je ne t'ai pas puni. La femme de Dieu que tu as pris jusqu'ici, Dieu ne t'a pas puni. L'argent de Dieu que tu as volé jusqu'ici, Dieu ne t'a pas puni. L'idolâtrie, Dieu ne t'a pas puni. Je ne peux pas avoir mon enfant, mon propre enfant. Je l'ai mis au monde, je l'ai nourri, je l'ai élevé, je l'ai protégé, je l'ai gardé. Et un étranger vient, lui donne de l'argent, et à cause de l'argent, il dit: désormais, tu n'as plus mon père, c'est l'autre qui est mon père. Ça, c'est un enfant bâtard. Tu n'as pas le vrai fils. Un enfant de Dieu reconnaît Dieu comme son père. Un enfant de Dieu obéit à son enfant. Si tu dis à ton enfant, ne vole pas, et l'enfant vole, tu le frappes, tu le punis. Mais toi-même tu voles. Maintenant qui va te punir? Qui va te punir? Tu dis à ton enfant, on ne ment pas. Mais toi-même, tu mens. Tu mens au client. Tu mens à tes parents. Tu mens à ton mari. Jusqu'à ce que l'argent qu'il te donne pour préparer à la maison, tu retiens un peu, tu caches, tu dis que c'est économie. Tu économises pour l'enfer. L'économie que tu fais aujourd'hui, tu iras dépenser en enfer. Mais ce soir, Jésus-Christ me dit de te dire, Jésus-Christ t'aime encore. Jésus-Christ t'aime encore. Et il t'appelle à la réponse. Parce que tes jours sont en train de finir. Tes jours sont en train de finir. Tu ne sais pas quand est-ce que ce sera la dernière fois pour toi. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans 60 secondes. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver ce soir. Si tu m'entends ce soir, Jésus-Christ m'envoie te dire, il est temps pour toi de devenir un chrétien sérieux. Toi-même, regarde ta propre vie. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Chaque dimanche, tu vas à l'église. Tu pries. Tu pleures. Tu roules par terre. Tu dis: Jésus, je t'aime. Dieu, je t'aime. Mais le lundi, tu vis comme un cochon. Le mardi, tu vis comme un chien. Le mercredi, tu vis comme un démon. Le jeudi, tu vis comme une prostituée. Le vendredi, tu vis comme un voleur. Le samedi, tu es pire que tout. Mais le dimanche, tu fais le chrétien. Tu trompes qui? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes le péché, tu vas récolter l'enfer. Mais si ce soir tu sèmes la repentance, tu vas récolter le ciel. Si tu sèmes la repentance, tu vas récolter le ciel. Jeune fille, ma soeur, la vie que tu mènes, est-ce que tes parents le savent? Les choses que tu fais en cachette, est-ce que tes parents sont au courant? On t'a envoyé à l'apprentissage. On t'a envoyé à l'école. Tu passes par derrière. Tu vas chez ton copain. Il couche avec toi. Tu rentres à la maison. Tu fais semblant que tout va bien. Tes parents ne t'ont pas vu. Mais Dieu t'a vu. Tu veux montrer à tout le monde que tu es une bonne personne. Que tu es gentil. Que tu es bien. Mais Dieu sait qui tu es. Mais ce soir, tu as encore l'occasion de te repentir. L'enfant que tu as, tu sais que ce n'est pas pour ton mari. C'est l'enfant d'autrui. La grossesse d'autrui. Tu as attribué à ton mari. Jusqu'ici, il ne sait pas. Mais Dieu le sait. Juste à ton parti, garder le secret. Thank you.
C'est pas si l'état, c'est hors, là-bas.
Donc il faut tout faire là. Faites tout pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Il faut obéir à Jésus. Lis la Bible. Obéis à ce qu'il est écrit dedans. Et tu iras au ciel. Mais si tu n'obéis pas, oublie le ciel. Est-ce que c'est la folie et au dit de rien? Ou c'est de l'intelligence? Allons-nous, ouais. Dieu qui a créé le bois. Dieu qui a créé l'arbre. Tu laisses Dieu. Tu prends l'arbre. Tu t'agenouilles devant l'âme et tu dis mon Dieu. C'est de la folie ou de l'intelligence. Dieu qui a créé l'homme, tu te laisses Dieu. Tu laisses Dieu et tu vas t'agenouiller devant l'homme. Est-ce que tu es intelligent ce soir? Réfléchis encore. Réfléchis encore. Les statues ne peuvent pas te sauver. Les bois ne peuvent pas te sauver. Marie ne peut pas te sauver. Talon est président de la République. Pour prendre une décision, c'est lui qui prend la décision. Mais que tu laisses le président Talon, et qui va chez sa mère, et tu lui dis, comme tu es maman du président, on va négocier un peu. Est-ce que ça peut marcher? Si devant les hommes, ça ne peut pas marcher. Imagine devant Dieu. Ce soir, réfléchis. Réfléchis à ce que tu adores. Est-ce que c'est vraiment Dieu que tu adores? Ou tu adores ce que Dieu a créé? Je ne peux pas laisser Dieu et adorer ce que Dieu a créé. Je ne peux pas laisser Dieu qui m'a créé et aller adorer un animal, adorer un bois, adorer un homme. Le fait qu'on utilise pour faire ma mythe, tu prépares avec. Tu manges avec quelqu'un d'autre. Prends ce même fait et fais un Dieu avec. Et fais une croix. Il te vend ça 100 francs, 200, 300. Tu prends ça, tu mets au cou et tu penses que c'est Dieu. Entre ma mythe qui coûte 1000 francs et crucifix qui coûte 300, lequel devait être Dieu? Mais aucun des deux n'est Dieu, parce que le vrai Dieu a créé le fer avec lequel tu as fait ton Dieu. Le vrai Dieu a créé le sable, a créé le ciment avec lequel tu fais ton faux Dieu. Attends le vrai Dieu. Et je te dis ce soir que le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Le vrai Dieu s'appelle Jésus. Et en son nom, tout genou fléchit. Jésus-Christ t'aime. Et il t'appelle à la réponse. Parce que tes jours sont en train de finir. Tes jours sont en train de finir. Un jour de plus. Un de moins. Un de plus. Un de moins. Un de plus, un de moins. Et un jour, tu vas te rendre compte que c'est fini. Que c'est fini. Que c'est fini. Et on te dira, trop tard. Trop tard. Quand tu vas chez quelqu'un pour prêter l'argent et la personne que tu, c'est trop tard. Tu l'as utilisé. Tu vas commencer à faire mal. Maintenant imagine, je te donne 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, pour que tu te répandes et tu laisses cette opportunité. Et après, après la mort, quand les jours vont finir, tu auras dit à ce Dieu, Seigneur, pardon, donne-moi 2 minutes pour que j'aille me répandir. Il va te dire, et les 60 ans que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait avec? Et les 20 ans que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait avec? Et les 30 ans que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait avec? Je ne connais pas ton âge. Je ne connais pas l'âge que tu as. Mais c'est assez pour que tu te répandes. C'est assez pour que tu changes de vie. Il est temps que tu arrêtes d'être un faux chrétien. Je parle à quelqu'un. Je ne te connais pas. Mais tu te connais. Le Seigneur te parle. Il est temps pour toi d'arrêter d'être un faux chrétien.
Faux chrétien, il est temps pour toi d'arrêter cette vie d'hypocrisie. Tu peux tromper les hommes. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il est écrit. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre et observe les bons et les méchants. Tu peux montrer aux hommes que tu es une bonne personne, que tu pries bien, que tu jeûnes bien, que tu fais du bien, que tu es gentil. Dieu connaît ton cœur. Le cœur méchant, le cœur mauvais, le cœur hypocrite, le cœur rebelle, le cœur impudique. Je connais ton cœur. Mais ce soir, tu as encore l'occasion de te repentir. Jésus ne t'accuse pas. Jésus ne te condamne pas. Mais ce soir, il t'appelle à la repentance. Parce que bientôt, tu vas partir. Tu vas quitter la terre. Je connais des gens très jeunes qui sont morts. Je connais des gens moins âgés que moi, mais qui sont morts. Toi aussi, tu n'es pas épargné. Le danger, c'est qu'on ne connaît pas le jour de la mort. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Pose-toi la question. Jeune fille, dans le copinage, dans le copinage, jeune fille, avec le copinage, avec ta copine, est-ce qu'après ta mort, tu es sûr d'aller au ciel? Si quelqu'un est sale, et peut te saluer. Si actuellement, j'ai mis ma main dans la boue, et je dis chez toi, pour te saluer, tu vas dire non. Pour te laver la main d'abord. Tu vas dire non. Va te laver d'abord. Mais toi, tu penses que tu peux rester sale. Tu peux rester sale. Mais une sale vie. Une vie d'impudicité. Et mourir aller au ciel. Dans chaque maison, il y a des règles. Chez moi, on dit souvent, on ne fait pas de bruit la nuit. Dans d'autres maisons, on peut te dire, on ne balaye pas la nuit. Chaque maison a des règles. Et Dieu qui a créé le ciel, il a aussi des règles. Tu ne peux pas rentrer chez Dieu comme tu veux. Tu ne peux pas aller à la présidence habillé n'importe comment. Tu ne peux pas partir dans un ministère n'importe comment. Il y a des règles. Pour aller chez Dieu aussi, il y a des règles. Et Dieu dit, toute personne qui est sale ne rentrera pas chez moi. Dieu dit, toute personne qui a pris une femme qui n'a pas tenté ne rentrera pas chez moi. Toi-même imagine, tu as ta boutique, tu vends pour gagner l'argent. Maintenant, quelqu'un vient, il prend un produit, il utilise ça donner l'argent. Est-ce que tu seras content? Oh, mais quel homme est là? Tu vas appeler la police. De la même manière, la fille de truc que tu as pris, elle n'est pas tombée du ciel. C'est l'enfant de truc. Maintenant, tu l'as pris. Tu n'as pas payé le prix. Et tu l'utilises gratuitement. C'est gratuit aujourd'hui. Mais c'est payé en enfer. Tu vas payer. C'est pas gratuit. La fille d'autrui que tu as prise, tu couches avec elle. Elle tombe enceinte. Tu l'as fait avorter. Et tu dis, je ne suis pas prêt. Si tu n'es pas prêt pour le mariage, reste célibataire. Si tu n'es pas prêt, à payer la dot. Si tu n'es pas prêt à te marier légalement, ne prends pas enfant d'autrui. Tu n'as pas l'argent, mais tu vas à la boutique. C'est pourquoi tu veux payer. Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Ce soir, je forme quelqu'un, l'enfant d'autrui, qui est sous ton toit, que tu n'as pas d'autrui.
côté. Ce soir, va régler. Il va aussi femme. Jeune fille. Quelqu'un t'a promis le mariage. Il t'a bien parlé. Il t'a séduit. Il a gagné ton cœur. Et toi aussi. Qui t'a livré à lui. Qui t'a donné à lui. Gratuitement. Ce soir. Réponds-toi. Jésus-Christ. J'appelle la réponse. Parce que bientôt. Les choses vont terminer. Tes temps vont finir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et après la mort. Où ira ton âme? 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 Je répète. Écoute bien. Je répète encore. Écoute encore. Après la mort, où ira ton âme? Même si tu oublies tout. Hey, attends, n'oublie pas cette parole. Écris quelque part. Et réfléchis dessus. Écris quelque part. Et réfléchis dessus. Parce que je arrive. Tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est une femme. Tu vas mourir. Mais après la mort, où ira ton âme? Si tu meurs, ça accepte Jésus. Si tu meurs, ça accepte Jésus. Où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Aujourd'hui, même les bonbons de 25 francs, même les bonbons de 5 francs, en plus de valeur, que certaines femmes. Qui va dans une boutique, qui veut payer, on te donne un biscuit, biscuit de 25 francs, quand tu vois, que le sachet a tessiné un peu, qui va dire non, je ne veux pas ça, on a déjà utilisé, on a déjà tessiné un peu, mais ton propre corps, plus précieux qu'un biscuit de 25 francs, on te dit se couvrir. Et tu dis non. Laissez-moi mener ma vie comme je veux. Demain, quand les garçons vont être attrapés quelque part, ils vont se violer. Qui va dire qu'il a mal fait? C'est pourquoi qu'il a poussé à le faire. Si tu as l'argent, actuellement, ton compte Momo, tu as mis code dessus. Pour que personne n'ait accès à ça. Parce que tu sais que l'argent, les 10 000 que tu as, c'est précieux. Mais ton corps, c'est plus que 10 000. Ton corps, c'est plus que 100 000. Mais ton corps, tu livres ce corps n'est pas toi. Tu livres à tout le monde. Ton corps est plus que l'or. Ton corps est plus que l'argent. Dis-moi, Darumi, les femmes qui ont le cancer, quand on a coupé un sein, est-ce qu'il y a une boutique où on va payer? Ça n'existe pas. Parce que c'est précieux. Le corps que tu t'as donné, c'est aussi précieux. Prends-en soin. Si aujourd'hui, tu te couvres, dans ta maison, il y a de l'eau en bas, qui va cacher. Tu vas tout faire pour que personne ne sache qu'il y a de l'eau dans ta maison. Ton corps vaut plus que l'eau. Pourquoi ne pas le cacher? Pourquoi ne pas protéger ton corps? Tu t'as créé belle pour ton mari, pas pour tout le monde. Je t'ai créé belle pour quelqu'un de spécial. Ne livre pas tes trésors à tout le monde. Ne livre pas tes trésors à tout le monde. Et pas des tout. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Parce que bientôt, tu vas mourir. Bientôt, tes jours vont finir. Tu vas expirer. Et la haine que tu as dans ton cœur, difficile pour toi de pardonner. Mais tu es chrétien. Le dimanche, tu vas prier. Tu vas pleurer. Tu vas tomber par terre. Tu vas dire Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mais ton prochain, tu ne l'aimes pas. Tu le détestes. Tu le hais. Il t'a fait du mal. Et tu as dit, je ne vais pas le pardonner. Impossible. Je te dis aussi, je ne vais pas te pardonner.
Si tu ne pardonnes pas ton frère, tu ne te pardonneras pas. Qui peut parler en langue? Qui peut faire des miracles? Tant que ton cœur ne ressemble pas au cœur de Jésus, tu ne verras pas Jésus. C'est facile d'appeler le nom de Jésus. C'est facile d'entrer à l'église. C'est facile d'entrer à l'église. Mais c'est difficile d'entrer au ciel. Tu veux montrer aux hommes que tu vas à l'église. Mais le jour où tu rentreras au ciel, c'est là où on saura si tu es chrétien ou pas. Le jour où tu rentreras au ciel, c'est là où on saura si tu es chrétien ou chrétien. Le jour où tu rentreras au ciel, c'est là qu'on saura que tu es vraiment enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu as l'occasion de repartir à zéro, de naître de nouveau. Chrétien, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Chrétienne, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu connais Jésus? Le Jésus que tu appelles, Jésus, le Jésus que tu cries, est-ce que tu connais vraiment Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Les gens ont peur du diable. Les chrétiens qui sont là ont peur du diable, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ont peur du paludisme. Mais ils n'ont pas peur du péché. Les chrétiens qui sont là ont peur des sorciers. Mais ils n'ont pas peur de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit les chrétiens. Ils vivent n'importe comment. Et ils pensent qu'après sa mort, Dieu va lui dire: entre chez moi, ton propre enfant. Quand il lui dit: on ne touche pas à ça. Et il touche. Tu le frappes. Mais toi-même, Dieu t'a dit: femme d'autrice, on ne touche pas. Tu as touché. N'est-ce pas, tu as touché? Et si Dieu te frappait? Si Dieu te frappait, Dieu t'a dit, Marie d'autrui, on ne prend pas. Tu as pris. Jusqu'ici, Dieu ne t'a pas frappé. Mais souviens-toi, un jour arrive. Tu vas rencontrer. Dieu a dit: le corps que je t'ai donné, c'est pas un tableau. Dieu t'a dit aujourd'hui, si les gens vont chez un marabout, et le marabout le dit, il faut. Et toi qui t'en nu, t'as vu cet œil. Ils vont obéir. Il y en a envoie l'argent. L'argent qui va finir bientôt. Mais Dieu te dit: mène une vie de sainteté. Pour aller au ciel. Et c'est difficile pour toi. Dieu te dit: fuis le péché. Arrête de mentir. Tu ne peux pas obéir. Maintenant c'est ton nom. Et demain, tu vas penser, après la mort, on va prier sur ton corps. Et tu iras au ciel. Mensonge, tromperie, sors de là. Ce soir, je t'informe. Jésus-Christ t'aime. Et il t'appelle à la repentance. Tu peux t'appeler enfant de Dieu. Mais est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu te reconnais comme son nom? Tu peux prier. Tu peux jeûner. Tu peux évangéliser. Tu peux faire tout. Tu peux parler en langue plus que tout le monde. Si tu ne fuis pas le péché, si tu ne nais pas de nouveau, si tu meurs, écoute, si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Tu n'as pas compris. Si tu meurs dans le péché, dans le vol, dans la pudicité, dans la prostitution, tu iras en enfer. C'est la vérité. Le purgatoire n'existe pas. Aujourd'hui, on te dit: arrête.
Notez. Arrête. Notez. Arrête. Notez. Arrête. Notez. Arrête. Notez. Tu ne peux pas arrêter. Maintenant, notez. Demain, sans. Ce serait trop tard. Wena idoy. Trop tard pour toi. Wena ko idoy. Trop tard pour toi. Wena ko idoy. Mais ce soir. Lord Badan Dieu. Jésus-Christ accorde. Jésus-Christ Noé. La grâce. Au faire de la repentance. La voix d'attend. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Accorde. Enoy. La grâce. Fais nous de te repentir. Je ne sais pas ce que tu as fait en secret. On tourne à bleu vibrateur. Tu parles à quelqu'un. Nous redonne mes lieux. Les choses que tu as fait en cachette. Oui, à bleu le vibrateur. Tu penses que personne ne t'aime. À bleu de la main de Koumo et Oasien. Ce soir, attention. Je te fais éternité. Un soir, il. À ça, le coup de tout ce que tu as fait en secret. Mais à bleu le vibrateur. Marie, compris que tu as pris. À sous, mais votre envoyé. Femme, compris que tu as pris. Ah si, mais de votre envoyé. L'adulté que tu as commis. L'avortement que tu as pris, l'argent que tu as volé, les choses d'autrui que tu as pris, les choses que tu as fait en cachette, jusqu'à tu es sorcier. Tu es sorcier, personne ne le sait, je le sais. Un jour arrive, tout ce que tu as fait en cachette, on va montrer publiquement. Le monde entier sera informé de ton péché. Aujourd'hui, tu as la grâce à de faire nous te repentir. Je ne veux pas te renier. Dieu est un père. Dieu est un père compatissant. Les blancs, non. Et il t'aime. Il veut faire la paix avec toi. Il veut gérer avec toi aujourd'hui. Il veut gérer aujourd'hui. Mais si tu fais erreur, si tu fais erreur et tu meurs sans te repentir, tu meurs dans la masturbation. Si tu meurs avec les pornos sur ton téléphone, et tu vas à l'église avec ça, tu pries à l'église. Tu es à genoux. Tu dis Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es mon Dieu. Le téléphone que tu as en poche. Il y a porno sur ça. Qui a donc quel Jésus? Jésus, est-ce que tu connais qu'on appelle Jésus? Il est dit dans Hébreu. Notre Dieu est un feu qui consume. Jésus-Christ. Jésus-Christ est un feu. Jésus. Jésus est un feu. On ne t'a pas prêché le frère Jésus. Qui est là, Jésus nous boit nous. Tu ne connais pas le frère Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vois un policier, nous avons le connaissant. Tu as peur. Alors, dis ainsi. Le temps te parle de Jésus. Tu n'as pas peur. Parce que tu ne connais pas Jésus. Le jour que tu connaîtras Jésus, quand tu entendras son nom, tu te mettras à genoux et tu vas te soumettre. Le jour te dira, si aujourd'hui te dit, le président Otoka a dit que t'es aujourd'hui, personne ne doit jeter sachet par terre. Sachet comme un. Qui va obéir? Parce que tu as peur de la prison. Tu as peur de l'homme. Dieu te dit. On ne fait pas ça. Dieu te dit. Femme. Non, non. Sois soumis à ton mari. Dieu te dit. Marie. On ne frappe pas sa femme. Et tu désobéis. Tu as peur de la prison des hommes. Pourquoi ne pas avoir peur de la prison de Dieu? Avec Dieu, c'est l'éternité. Avec Dieu, c'est l'éternité. Tu ne crains pas Dieu parce que tu ne connais pas Dieu. Le jour que tu connaîtras Dieu, quand tu entendras son nom, ou même alors, quand tu vas te rappeler de ce que Dieu t'a dit, tu vas obéir. Même s'il n'y a personne pour te surveiller, tu comprendras que Dieu te voit. Moi, je ne te vois pas. Le pasteur ne te voit pas. Jeune fille, tes parents ne te voient pas. Mais quand tu quittes l'école, tu vas chez ton copain. Derrière les toilettes. Il te touche. Il te touche. Il finit. Et enfin, tu fais l'innocente. Tu rentres à la maison. Tu fais semblant que rien ne s'est passé. Tes parents croient que tu es vierge. Mais tu t'as tué dedans. À quoi la GSI? Pourtant, tu as dit à tout déchiré. Tu as tout déchiré. Mais tu fais l'innocente. Tes parents ne savent pas. Mais tu t'as tué toi. L'avortement que tu as fait. Oh, personne ne sait. Mais de toi. Jésus-Christ le sait. Jésus-Christ Jésus t'a vu. Jésus m'a aimé. Enfant. Au fille.
Quand tu volais viande dans la sauce. Quand tu mettais la main dans la poche des parents. Pour voler l'argent. Tu fais les mêmes 8. À l'emploi à la vie 8. Personne ne t'a vu. Mais de moi. Oh. Jésus t'a vu. Jésus m'a vu. Les enfants aussi vont en enfer. Vilain de soleil sommeil. Les enfants aussi vont en enfer. Vilain de soleil sommeil. Les enfants. Vilain. Répentez-vous. Vilain vachon. Répentez-vous. Vilain vachon. Répentez-vous. Vilain vachon. Enfants. Aux filles. La nuit. Au samedi. Quand les parents dorment. Bon, nous méditons la nuit. Toi, tu ne dors pas. Bon, dame là. Tu mets tes oreilles. Allons, c'est toto. À la porte. Donc, on te rend. Pour écouter. Bon, on doto. Hey! Hey. L'enfer réel. Au sommet nous boit. L'enfer réel. Sommet nous boit. L'enfer réel. Sommet nous boit. Tu dois te repentir. Jésus-Christ aime encore. Jésus-Christ est en nous. Jésus-Christ aime encore. Jésus-Christ est en nous. Jésus-Christ aime encore. Jésus-Christ est en nous. Ce soir, Madame, je te parle. Nous redonnons. Tu ferais Jésus. Jésus nous boit. Le Jésus qui est en feu de vos rangs. Jésus est un seul et notre dinois. Le Jésus qui est amour. Jésus est en nous. Tu châties aussi. Quand on l'a dit, bah nous mettons sur. Quand tu aimes ton enfant, nous ayons en nous victoire. Qui fait mal. Oui, tu vas le frapper. Et non, oui. Mais si tu frappes ton enfant, oui, tu es... et l'enfant te dit, oh, viens donc. Laisse-moi. Je vais te... Tu n'es pas mon père. Ah, toi, c'est un enfant bâtard. Oh, à Gavien, viens. C'est un enfant bâtard. À Gavien, viens. Si tu te dis oui, que tu es enfant de Dieu, et, vie, et Dieu te corrige, et tu dis oui. Non, et, je vais faire. Na blo. Je vais faire. Na blo. Je vais faire. Na blo. C'est ma vie. Tu es un enfant bâtard. Et, à Gavien, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Que vie, né de nouveau. Bon, moi, tu dis, réponds-toi. La vengeance. Jésus-Christ t'aime. Jésus, oui, oui. C'est parce que Jésus t'aime. Donc, Jésus, oui, oui, oui. Que ce soir, le Badan, il te corrige. Et le taux d'un oeil. Il est écrit. Et il y a dans Proverbe 3. Le deuxième maintenant. Mon fils. Au vitié. Ma fille. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ma bête, toi, donne-nous même. Si tu fais quelque chose, nous avons de. Et on t'écoute. Badan, oui, oui. Dieu a dit de ne pas faire. Maouda et ma blanche. C'est interdit. Et ben, obéis, c'est ton nom. Si aujourd'hui, tu vas quelque part, et on te dit, ben ne va pas là-bas, oh. Ben tu vas là-bas, on va t'attraper, oui. On va te décapiter, et tu vas fuir. Et quand tu vas, oui. Chez la prostituée, et calé, quand tu vas, oui. Dans la croix de nuit, oh, calé, quand tu vas, oui. Dans les bois de nuit, à rentrer dans nos terrains, quand tu vas, oui. Dans les chambres de prostituées, oh, oh, notre gâteau, et on te dit, ben on ne fait pas ça, et non plus bon, tu dis non, alors, eh oh. Laissez-moi. Micho, micho. C'est ma vie. Okay, je vais faire. On blo. Je fais. On blo. Tu peux faire. Rien à blo. Demain. Lorsque. Tu vas rencontrer. Ana acho. Demain. Tu sors. Demain. Sors. Tu vas rencontrer. Ana acho à compta. La personne que tu appelles. Oh mais anaya. Copine. Non. À 40 ans. La personne. Oh mais anaya. Que tu appelles. Non. Ton copain. À 40 ans. Tu sais savais qui il est. Non à tout mais. Il y a longtemps tu allais le fuir. Et non colis bana ohoni. Celui que tu appelles. Mais anaya. Compagnon de péché. Oh, autant que mais non, il en deux temps. Si tu savais qui il est. À tout meilleur. Il y a longtemps que tu le refuses. Et non, libre, non, coroni. Il y a des gens. Oh, mais de la terre. Quand tu le vois. Non, moi, il y a. Tu penses que c'est un homme. En avant de c'est pas un homme, hein. Et béton, mais. C'est pas un homme. Et béton. Il y a des gens. Mais de la terre. Quand on prêche la parole de Dieu. De quoi, moi, ton il est à côté de toi. Et là, quand il va se moquer. Et là, tchako. Il va rire. Et là, quoi. Il va dire, écoute. Et là, de toi. C'est pas vrai. Et on c'est faux. À Dingbawe. Il sait que lui n'est pas humain. Et tout le monde, c'est un sorcier qui veut te détruire. Ah, c'est toi, toi, ouais. Si tu entends la parole de Dieu, c'est quoi, autant. Et ton cœur est touché. Bah, il est temps pour toi de te répondre. Ouais, il y a des gens sur la terre. Mais de la terre, comment dit tu le vois. Bah, les mots, tu la vois. Allez, moi. Elle est belle. Elle est jolie. Présentable. Toute la beauté qu'il faut. Tout ce que tu aimes. Mais au fond, c'est pas un humain. C'est un sorcier. Il y a trop de démons en chair aujourd'hui. Il y a trop de démons en chair aujourd'hui. Il y a trop de démons en chair aujourd'hui. Et l'objectif. C'est te conduire en enfer. Quand Dieu dit, on ne fait pas. Et non, bleu, lui va te dire. Et non, faut faire. Bleu. Je n'ai pas là. Maudo, je ne te vois pas. Maudo, je lui sais. Et à tout que pour lui c'est fini. Nous étant elle sait. Et à tout que pour elle. Nous étant c'est fini. Et fort. C'est fini.
Papa se repentit. Mais toi tu as la grâce. Je te repentis. Je te repentis. Ce soir, je ne glisse pas à quelqu'un. Je suis le roi d'un meilleur. Fais attention aux personnes que tu fréquentes. Non mais c'est un message spécial pour quelqu'un. Fais attention aux personnes que tu fréquentes. Cette personne que tu appelles ton ami. Cette personne que tu appelles ton frère. Cette personne que tu appelles ta soeur. Tu ne sais pas qui il est. Je connais des gens. Ils étaient ton meilleur ami. Mais l'un a fini par empoisonner l'autre. Et quand on te dit d'adorer Jésus, si on te dit de t'accrocher à Jésus, si on te dit d'être saisi avec Dieu, on ne te fait pas du mal. On cherche ton bien. Parce que Dieu est le seul qui peut te protéger. Dieu est le seul qui peut te protéger. Je connais des femmes qui ont empoisonné le mari. Je connais des maris qui ont assassiné leur femme. Je connais des enfants qui ont tué leurs parents. Et on te dit, accroche-toi à Jésus. Et tu dis non. Qui te fait du mal à toi? Qui te fait du mal à toi? Qui te fait du mal à toi? Ce soir, je t'invite à accepter Jésus. À être sincère avec Jésus. Sois sincère avec Jésus. Arrête d'être un faux chrétien. Arrête d'être une faux chrétienne. Quand Christ accueille, chrétien hypocrite, Christ Yamenouata, chrétien menteur, Christ Atingano, chrétien voleur, Christ Atiota, arrête. Dodo, ce soir, Padan Dion, Jésus-Christ t'appelle. Jésus le Yon, à la repentance. Nous la vengeons. Je ne te connais pas. On trouvera. Je ne sais pas ce que tu as fait en cachette. On trouvera de l'homme. Mais ce soir, Lord Padan Dion, Jésus-Christ, Jésus-Christ, dans son amour, le moyen tombé en paix. Le Yon, à la repentance. Nous la vengeons. Tu peux penser à rien dans l'île. Que personne ne t'a vu. Mais des coups, Dieu t'a vu. Oh, moi, oui. Dieu t'a vu. Mao Moi. Dieu t'a vu. Mao Moi. Et dans son amour. Il t'appelle à la repentance. Et le Yon la va jouer. C'est comme un policier. Et si on en soit attendu. Il attrape un voleur. Et oui, tu attendais. Et qu'il nous dit. Où donne-il donc. Ce que tu as fait. Si je t'attrape. Nous oublions. Si je t'amène en prison. C'est qu'un camion. Il ne va pas sortir. À son attend. C'est pour toute la vie. Mais maintenant. Dion. Tout ce qu'il te faut. Le pour nous. Ce que tu as volé. Bien Fion. Te pose. C'est là. Te pose. C'est là. Et quitte là. Ogosifine. Va-t'en. Nippon. Et je te laisse partir. Imagine. Ikayou. Si tu étais la place du voleur, nous adoptons, tu t'en tombes. Comment vas-tu réagir? Et Jésus te dit aujourd'hui, Jésus le dit à nous avec Bédon. Te posez bien. C'est d'Aïboa. Te posez bien. C'est d'Aïboa. Te posez bien. C'est d'Aïboa. Viens à moi. Ouagantier. Je suis le seul qui ne va pas te condamner. Et si les hommes t'attrapent dans un péché, nous mêlons au lieu de l'eau, il en donne des meilleurs. Si aujourd'hui, nous éclairons, tu voles. Alors, tu t'attrapes. Il va te dire, soit je te tue. Soit tu vas en prison. Alors on a eu quelqu'un. Qui ici maintenant? Nous fier la tion. On attrape un voleur. Tout le monde va dire. Mais bien alors. Frappe-le. Oh minoué. Tire-le. Minoué. Prions-le. Minoso. Amenez essence. Amenez essence, ouais. Tout le plus. Minoso. Mais toi-même tu voles. Oui, des sur à Tchodjawe. Toi-même tu voles. Qui t'a déjà brûlé? Mais qu'à deux oeufs. Qui t'a brûlé? Mais deux oeufs. On t'a interdit. Et qu'à là. On ne touche pas. Et le dalawa. Femme de trou. On ne touche pas. Et le dalawa. Tu as touché. À dalawa. Tu as pris. Aïe. Tu l'as enceinté. À Doroni. Tu as eu peur. À deux ainsi. Et tu lui as dit d'avorter. Bah, donnez-le ni des rois. Elle a avorté. Et des rois. Si les hommes la prennent. Non, mais là, c'est ils vont te frapper. Il n'a pas eu. Ils vont t'emprisonner. Il n'a pas eu. Mais Dieu sait tout ce que toi tu as fait. L'homme a tout mieux. Et il te dit. Père de Lionel. Bien négocié. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Jésus. Jésus, il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Jésus. Les hommes vont te juger. Les hommes vont te condamner. Mais Jésus-Christ, il te dit, bien plaidant. Négocions. Aujourd'hui, afin qu'il ne soit trop tard. Parce que je vois, on te dira, trop tard. Trop tard. Trop tard. Allez à l'église. C'est pas suffisant. Priez. Pas suffisant. Parlez en langue. C'est pas suffisant. Fais le miracle. C'est pas suffisant. Il te faut un cœur nouveau. Il te faut naître de nouveau. Il te faut Jésus. Sois sincère avec Jésus. Les
les gens ont peur. Mais là, il dit que c'est des sorciers. Moi, c'est toi là. Ils ont peur du diable. Il a dit que sinon, au vieux. Quand on leur dit, quand tu fais ça, moi, bleu, les la nuit, sa mère, les sorciers vont t'attaquer. C'est toi là, là temps, ils ont peur. Il a dit que ils ne font pas. Il est en mais quand on leur dit, quand tu fais ça, moi, bleu, là. Je vais te punir. Moi, on a ton comme ils ne voient pas Dieu, hey, man, mon, ils n'ont pas peur de Dieu. Il a dit que sinon, maoua. Parce que tu ne vois pas Dieu. Non, alors mon mawa. Tu n'as pas peur de Dieu. Adikasin mawa. Parce que tu ne vois pas Dieu. Non, alors mon mawa. Tu n'as pas peur de Dieu. Adikasin ma. Mais ce soir, l'opéra, je t'informe. Nous t'aurons nous. La personne de qui tu dois avoir peur. Mais alors Adikasin là. Dieu. Bah ouais. Parce que c'est lui seul qui te connaît. Et donc pendant est tué. Les hommes ne te connaissent pas. Bertel est tué. Mais Dieu te connaît. Mauka tué. C'est pas parce que sur la terre. Et il doit avec ma dire. Qui est en train de souffrir. Alors vas-y ouais. Que après ta mort. Et là, Dieu a pitié de toi. Bah on a coulé blanoué. Tu peux souffrir sur la terre. Ah non, c'est ouvert avec moi. Bon, et aller souffrir aussi. Bon, c'est ouvert. Si tu n'acceptes pas Jésus. Bon, amen, Jésus. Ce soir. Pardon, Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le temps encore. Et quoi là nous. Peut-être la dernière fois. Oh, on go du bleu le temps. Sa mère. À la tendresse. Accepte Jésus. Et Jésus. Viens à Jésus. Ouais, Jésus. Je ne connais pas ton âge. On te fait adorer. Je ne sais pas qui tu es. On te met rien. Je ne sais pas ce qu'il te faut. On te met rien. Mais tout ce que j'ai pour toi. Nous sommes pour toi. Tout ce que je peux te donner. Nous sommes rien. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, ouais. Si je disais. Nous donnons. Venez, mi. On va partager l'argent. Minama quoi? Venez, mi. On va donner l'argent. Minan, venez, mi. Il y a ça de riz. Oh, moi écoute le. On va partager. Et les gens vont venir. Mais quand on dit, nous d'abord. Venez à Jésus. Mais ouais, Jésus quoi? Il n'y a jamais personne. Parce que les hommes ne savent pas qui est Jésus. Oh, mais là, tout les hommes n'ont pas peur de Jésus. Mais là, dit Jésus. Les hommes ne craignent pas Jésus. Mais là, il dit, donc, c'est et après la mort. Bah, coucou, toi. Ils pensent que c'est Jésus. Il est vrai de Jésus. Ils ont négligé sur la terre. Et toi, ben, avec moi. Jésus va les accepter. Jésus n'en a eu aussi. Toi-même. Ouais, il y a quelqu'un que tu prends pour ennemi. Non, mais ne t'y mets qu'un tatoué. Si il vient chez toi, nous allons gâteau. Et si tu vas l'accepter, Anaïe, tu vas lui dire toi. Anaïe, tu vas lui dire sans. Anaïe, tu vas lui dire. De la même manière. Alors, par rapport. Si sur la terre. Ouais, comme dit. Tu vis comme l'ennemi de Dieu. Anaïe, père, qu'un tatoué. Quand tu vas mourir. Bon, on a quoi. On te dira aussi. Bah, on a donné. Je ne te connais pas. On te peut guérir. Dehors. Mais ce soir. L'homme, ben, j'ai encore l'occasion. Anaïe, tu vas dire. De changer de vie. Bon, vous bêtoué. De te repentir. Bon, lève Dieu. De changer de cœur. Bon, vous soyez gratuit. Parce que Dieu connaît ton cœur. Non, mais toi, est gratuit. Tu peux montrer aux hommes. Arrête, on est là, bêtoué. Tu es une bonne personne. Dormi, ménateur. Mais Dieu connaît ton cœur. Non, mais toi, est gratuit. Jésus-Christ t'appelle. Mais toi, est gratuit. À la repentance. Lève Dieu. Ton argent va finir. Que passera Jésus ton argent va passer. À quoi que les enfants vont partir. Ton mari passera Jésus le monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer, oh, ça Jésus ne passe pas. Pas le temps. Ah, son hibi, on a bien, on a fini. On a vu que les mille plis d'oiseaux n'a roulé. Azan et bien, mais ouais, non, si. Alors attends, ton idosé. Aujourd'hui sur la terre. Ekbetoi va dire, tu peux montrer que tu es l'homme fort. Tu peux montrer que tu es puissant. Que c'est toi le boss. Que c'est toi le chef. Que tu es intouchable. Un jour arrive. Tu vas te coucher. Tu ne vas plus te relever. Un jour arrive. Tu vas te coucher. Tu ne vas plus te réveiller. Mais ce jour, où ira ton âme? Amuse-toi avec tout. Amuse-toi avec tout. Ne t'amuse pas avec ton âme. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de l'amusement. L'éternité est sérieuse. Ton âme est sérieuse. L'enfer c'est sérieux. L'enfer c'est sérieux. Va au cimetière. Ceux qui sont là-bas. Hier. Ils étaient vivants comme toi. Au cimetière. Il y a des gens.
qui était plus fort que toi, plus fort que toi, plus belle que toi, plus intelligent que toi. Mais ils sont morts. Où est passée la richesse? Où est passé l'argent? Où est passé l'orgueil? Où est passé le péché? Le corps qui l'a poussé au péché. Où est passé ce corps? Aujourd'hui, je t'en prie, je t'en supplie, je t'en supplie, réfléchis à ton éternité. Réfléchis à ton âme. Réfléchis sur ta vie. Réfléchis sur ta vie. Réfléchis sur ta vie. Un jour arrive. Tu vas mourir. Et après la mort, où ira ton âme? Après la mort, où ira ton âme? Si tu veux l'appeler toi, tu peux l'appeler chrétien. Tu peux l'appeler musulman. Qui que tu sois. Si tu meurs ce soir, où ira ton âme? Ce soir, si tu meurs, où ira ton âme? Si toi tu es Dieu, si tu étais à la place de Dieu, et un jour, tu vois quelqu'un venir chez toi, et tu connais la vie que la personne a menée, quelqu'un qui vit comme toi, si tu étais à la place de Dieu, est-ce que tu peux accepter que la personne rentre chez toi? Il est écrit que le ciel, c'est un endroit saint. Rien de souillé ne peut entrer au ciel. Rien de souillé ne peut entrer au ciel. Aucun péché ne peut rentrer au ciel. À l'église, on t'a parlé du péché, mais tu t'en fous. On t'a prêché sur l'enfer, tu t'en fous. Parce que tu penses que l'enfer n'existe pas, que le ciel n'existe pas. Que ce n'est pas vrai. On t'a prêché sur la crainte de Dieu. Tu n'as pas cru. Tu n'obéis pas. Ce soir, je ne serai pas là. Personne ne sera là pour te justifier. Personne ne sera là. Personne ne sera là pour te plaider ton cas. Tu seras face à Dieu. Face à face. Face à face. Aujourd'hui, Jésus-Christ tend la main. Jésus-Christ tend la main. Accepte la main tendue de Jésus. Accepte la main de Jésus. Parce que tes jours sont en train de finir. La journée est en train de finir. La journée est en train de finir. Bientôt il va faire nuit. Bientôt il va faire nuit. De la même manière, dans ta vie aussi, bientôt il va faire nuit. Un jour, tu vas fermer les yeux. Tu ne l'ouvriras plus. Un jour, tu vas te coucher. Tu ne vas plus te réveiller. Un jour, tu verras tout ce que tu as. Tu ne pourras plus toucher. Un jour, l'argent que tu as cherché, tu verras l'argent. Tu ne pourras plus toucher. Un jour, ton propre corps va t'abandonner. Un jour, tu verras tout ce que tu as. Tu ne pourras plus toucher. Mais ce jour, la seule chose qui te restera, c'est ton âme, c'est ta conscience, c'est la vie que tu as menée sur la terre. Et ce jour, tu te rendras compte que Jésus-Christ, c'était sérieux. Tu te rendras compte qu'aller à l'église ne suffit pas. Tu te rendras compte que la prostitution conduit vraiment l'enfer. Ce jour, tu te rendras compte que l'impudicité conduit vraiment l'enfer. Tu te rendras compte que les salaires du péché, c'est la mort. L'invité, je vais te rappeler que ce corps que tu es en train de chérir, cette poussière que tu es en train de chérir aujourd'hui, ça va t'abandonner un jour. On te dit que le péché va te conduire en enfer. Mais tu pêches en cachette.
oubliant que Dieu te voit, tu voles. Bien aimé, le vol que tu as commis, ça ne va pas se scotcher sur ton corps. Mais tu fais du mal à ton âme. Tu es en train de faire du mal à ton âme. Tu mens. Il n'y a pas de dépôt sur ton corps. Mais ton âme en subit les conséquences. Tu mens. Tu voles. Tu utilises le corps que Dieu t'a donné pour faire ce que tu peux. Tu écris sur ton corps comme si c'était un tableau. Tu fais ton corps comme tu veux. Bien aimé, tu peux voir ça comme rien, mais c'est ton âme qui est en train de souffrir. C'est ton âme que tu es en train de souffrir. Bien aimé, il faut que tu te rendes compte. C'est ton âme qui ira en jugement. C'est ton âme qui ira se présenter à Dieu. C'est ton âme qui ira rendre compte. Bien aimé, si Dieu t'a créé, si Dieu t'a envoyé sur cette terre, ce n'est pas pour t'amuser. Ce n'est pas pour t'amuser. Bien aimé, ce soir, tu as l'occasion de mettre de l'ordre dans ta vie. Quand le Seigneur Jésus-Christ revient, le Seigneur Jésus-Christ revient, ton retour est très très imminent. Le monde est en train de briller. Le monde est en train de briller vers la fin. Il est en train de briller vers sa fin. Bien aimé, nous sommes dans le monde. Mais tu n'es pas du monde. Bien aimé, si tu es enfant de Dieu, tu dois obéir à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu es enfant de Satan. Bien aimé, ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Les idolâtres n'ont pas part au royaume de Dieu. Les menteurs n'ont pas part au royaume de Dieu. Les voleurs n'ont pas le pas dans le royaume de Dieu. Bien aimé, si tu te retrouves dans le péché, tu as encore l'opportunité de revenir à Jésus. De te faire pardonner. Bien aimé, si tu es encore en vie, tu as encore de l'espoir. Tu as encore de l'espoir. Ce n'est pas après la mort qu'on va prier pour que Dieu te pardonne tes péchés. Ça ne marche pas. C'est toi-même de ton vivant. Tu dois demander le pardon de tes péchés. Si tu ne demandes pas le pardon de tes péchés, et tu meurs dans le pays, tu atterriras en enfer. Quel que soit ce que tu es, même si tu as créé toute l'église qui est dans ce monde, bien aimé, si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu périsses. Il veut que tu sois sauvé. Raison pour laquelle il a coulé ton sang à la croix pour toi. Bien aimé, ignore pas le sacrifice de Jésus-Christ. N'ignore pas le sacrifice de Jésus-Christ. Ton sacrifice, ce n'est pas de la musique. Quand il a accepté mourir, il a accepté toute l'ignominie à cause de toi. Bien aimé, il est temps
que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Car le Seigneur Jésus-Christ revient. S'il revenait ce soir et il ne te trouvait pas prêt, bien-aimé, tu le regretteras. Tu regretteras toute la vie que tu as menée. Tu regretteras toute la vie que tu as menée. Tu utilises ton temps. Mais tu cherches de l'argent. Du matin jusqu'au soir, tu cherches de l'argent. C'est très bien. Tu oublies l'essentiel. Tu oublies l'essentiel. Le Seigneur Jésus-Christ, il veut que ton âme soit sauvée. Ce n'est pas ton corps qui sera sauvé. Ce n'est pas ton corps qui a besoin du salut. Mais c'est ton âme. C'est ton âme qui a besoin du salut. Le salut éternel. La vie éternelle. C'est Dieu qui dort. C'est Jésus-Christ qui dort. Et tu ne peux pas être pécheur et bénéficier de cette vie. Il faut que tu abandonnes le péché. Bien-aimé, si péché pourquoi? C'est de l'habitude. Malgré le fait que tu sois chrétien. Si péché pourquoi? C'est quotidien. Malgré le fait que tu sois enfant de Dieu. Bien-aimé, je te rappelle ce soir, mets de l'ordre dans ta vie, abandonne complètement ce péché, abandonne l'idolâtrie, bien-aimé, abandonne l'idolâtrie, bien-aimé, ce n'est pas seulement les vaudouistes. Ce n'est pas seulement les féticheurs qui sont idolâtres. Mais toi aussi, ce que tu fabriques, ce qui est fabriqué de la main de l'homme, tu t'y prosternes.